Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver dans Métropole Hebdo pour faire le point sur les actualités. Depuis le début de l'année, plus de 120 femmes sont mortes sous les coups de leurs conjoints ou ex-compagnons. Pour la Journée internationale de lutte contre les violences faites aux femmes, le 25 novembre, Grenoble-Alpes Métropole renouvelait son message de prévention et de sensibilisation avec l'artiste Petite Poissonne. Après s'être illustrée à l'entrée des locaux de la métro, c'est sur le campus, aux portes de la bibliothèque des sciences qu'elle est venue faire passer le message. Collés pour sensibiliser et prévenir, ils sont près de 244 000 en France à avoir été victimes de violences conjugales en 2022 selon les forces de sécurité, un sujet qui touche tout particulièrement les femmes, car en France, une femme est tuée toutes les 3 jours. Alors pour Petite Poissonne, une street artiste, il est important de mettre des mots sur un sujet trop souvent passé sous silence. Le collage cette année, c'était alors essentiellement de dire que toute violence, même minime au départ, n'est pas anodine et qu'il faut arrêter dès le départ en fait. Les coups d'un soir n'existent pas, il recommencera. Ça veut dire que même une bousculade un soir, il faut partir quoi. C'est surtout ça le message, parce qu'après, quelque part, il est trop tard. L'engrenage, il est déjà amorcé et on se rend compte qu'après, c'est hyper dur de partir quand on a démarré cette relation toxique. Chaque année, la métropole de Grenoble s'engage à sensibiliser sur ces formes de violence. En 2021, elle avait lancé le violentomètre, un outil imprimé sur les sachets de baguettes de pain permettant aux femmes de prendre conscience des violences qu'elles subissent. Les coups d'un soir n'existent pas, il recommencera. C'est le slogan de cette nouvelle campagne. Aujourd'hui, ces collages sont faits sur les vitres de la bibliothèque universitaire Joseph Fourier pour intervenir auprès des étudiants. Les violences faites aux femmes, elles sont systémiques. On se rend compte qu'elles se répandent dans tous les milieux, dans tous les âges, et que c'est justement auprès des plus jeunes qu'on doit passer un message, et que dès les premiers cris, on doit s'interroger sur la relation que l'on entretient avec son compagnon. Un sujet qui semble être important aux yeux des plus jeunes. À partir du moment où on en parle, peut-être ça va être un phénomène qui va exister de moins en moins. Surtout parce qu'on vit dans une société où les femmes, elles sont super indépendantes à l'heure d'aujourd'hui. Du coup, peut-être qu'en faisant ça, il y aura plus de gens qui vont comprendre le but. On sensibilise vachement, surtout dans la rue, comme ça. Les gens, des fois, ils prennent le temps de regarder, donc je trouve ça important. C'est surtout vers les jeunes qu'il faut passer un message, puisque c'est la génération à venir. Des stickers, des cartes postales et même des écrans embarqués dans le tramway contenant ce slogan vont être diffusés. Un numéro d'urgence pour les personnes victimes de violences conjugales est toujours joignable, le 3919. Voilà, pour les personnes victimes ou témoins de violences conjugales, il faut contacter le 3919. Mais en cas d'urgence, il faut alerter la police au numéro 17 ou bien envoyer un SMS au 114. La saison hivernale est lancée. Le 2 décembre, le domaine nordique de Chamchaude en Chartreuse ouvre ses portes au public. À 20 minutes de Grenoble, il comprend les secteurs du Col de Porte, du Sapet et de Saint-Hugues. Voici le reportage de Mirko Péchi. Ski de fond, raquettes, biathlon et ski de piste, le domaine de Chamchaude bat son plein pendant la saison hivernale. Au cœur du massif de la Chartreuse, le domaine s'étend sur 3 secteurs. Le col de Porte Sarcenat, le Sapet en Chartreuse et Saint-Hugues. La Chartreuse aujourd'hui, c'est un des plus petits massifs préalpins. C'est un parc naturel en ancre régionale, mais qui a cette particularité d'avoir 800 000 personnes à ses pieds et d'avoir des sites comme celui-ci avec une proximité donc immédiate. Et si on ne sait pas accueillir, si on ne sait pas expliquer, si on ne sait pas sensibiliser, je pense que l'esprit donc aussi donc Chartreuse, c'est préservé aussi pour demain. Le domaine est géré depuis juillet 2020 par Grenoble-Alpes Métropole et la commune de Saint-Pierre de Chartreuse. En dehors des activités de ski alpin, cette collaboration a pour objectif de développer autour d'un même esprit les relations entre la ville et la montagne. L'esprit Chartreuse, c'est un collectif qui permet de mettre en avant tous les usages. Et donc que ce soit les sociopros, l'économie du tourisme liée à la montagne, mais que ce soit aussi le domaine de la filière bois, que ce soit l'agriculture, le pastoralisme et bien sûr les activités de loisirs. Avec le manque de neige et la perte des recettes, le site de Saint-Hugues et des Égaux compte sur des associations pour gérer les stations. On croit beaucoup en lien entre collectivités et associations et habitants et bénévoles. On pense que le développement du tourisme et de le développement du village passe par l'implication de tous, des collectivités, des partenaires, mais aussi des habitants. Et en ce sens, le modèle associatif est très important pour nous.
Pour cette saison au domaine de Chamchaude, les skieurs peuvent réserver leur trajet en navette tout en profitant d'une réduction sur le forfait de ski. Si l'enneigement le permet, le domaine sera ouvert jusqu'au 31 mars 2024. Et le domaine de Chamchaude accueillera plusieurs événements, dont la Grande Odyssée, une course de chiens de traîneau de niveau international le 24 janvier 2024. Autre événement, les conférences Presse Citron qui continuent sur la métro avec jeudi 7 décembre l'intervention de l'écrivain Adrien Klent qui viendra parler de ses deux derniers ouvrages, Paresse pour tous et La vie est à nous, des récits qui offrent une perspective vers un modèle différent, non pas centré sur la réussite individuelle, mais sur la réussite collective. La conférence se déroulera au siège de la métro, 1 place André Malraux. Métropole Hebdo, c'est terminé. Je vous donne rendez-vous chaque samedi à 8h50 et 20h40. Très bonne semaine à tous.